au départ de la seule place sur notre itinéraire avec une piste en gravier. Notre plan était de simplement suivre la route, et sur ce trajet, nous allons en prendre plein les yeux. Et si je fais avec mes lupins sans danger avant le reste. Parabrain 7, Capidore, windows closed. Now flight controls. Up. Light up. Back down. Tact. Et le reste, set. Je vais avoir 1500 tours seulement. Ok, la piste au tri, je vois pas d'animaux et de voitures sur la piste. Ça se présente bien. Un time check. And take off. Ok, on a la puissance et la speed is rising. Un petit peu à gauche, comme ça je peux faire un photo. Voilà, parfait. En approchant Flagstaff, c'est un grand parc volcanique avec des pics à plus de 3800 mètres qui se trouvent sur notre trajet. Juste à côté, le plus jeune volcan ayant eu leur dernière éruption il y a tout juste un millier d'années. Après les volcans, c'est un autre type de cratère qui nous attend. Il y a quelques 50 000 ans avant notre passage, une météorite d'un poids estimé de 300 000 tonnes est entrée en collision avec la Terre. Comme témoin de ce cataclysme, il ne reste que cet imposant cratère de 1400 mètres de diamètre. Après ça, on se disait que les quelques 200 km qui nous séparent de nos destinations allaient nous paraître bien monotones. Il n'en fut rien.
toi. Ah, bien que c'était mieux l'atterrissage. Hein. Notre escale à Garup marque notre entrée au Nouveau-Mexique. Juste le temps de faire le plein, puis de trouver cette petite adresse typique de la région pour nous ravitailler.